Attends, boule de micro, attends, le boule de micro, je vais mourir, mais... je vais mourir, mais... Je viens de buter le boss, mais c'est pas fini. Moi, je rentrerais bien faire un dodo, là. Au liqueur ? Mais non, la marmotte, elle peut pas, là. Elle est piscine. Oh, les amis, qu'est-ce qui vient de se passer ? J'ai joué comme un sale sur cette partie. C'était une des fameuses parties qu'on commence en se disant... ça va pas aboutir. Puis en fait, si. J'ai bourriné le boss. Je l'ai bourriné, hein. Y a pas de secret. Astra a reçu mon signal. Ouais. Alors ? On rentre ? C'est grâce à toi que je m'échappe. What? Oh, le cœur? Je m'en vais de la planète? Non, c'est pas normal, ça. Moi, j'y crois plus, maintenant. J'ai tellement été habitué. Bon alors, essayons de voir qui est mort 237 fois, à part moi. Mais tout cela n'était qu'un vilain rêve, les enfants, vous le savez bien. Happy end. Les cœurs. Je veux partir. Laissez-moi partir. Non. Non, c'est impossible. Je me suis échappée, j'étais... Elios. Tu es là, toi aussi. Astra, quelqu'un m'entend? Ici, Selene. Nous sommes coincés. Ah, au fond. Ok. Alors, j'ai une explication logique. Bien. J'ai une explication logique. Selene, dans son grand désespoir de vouloir en finir de cette boucle infernale, est tombée sur des champignons qu'elle a ingurgités en masse. Et elle a tapé un trip, n'importe quoi, en bavant par terre sur le sol pendant... très longtemps. Non, ça a poussé, là, non. Je vais aller me réparer, je vais aller dormir, prendre une douche, je sais pas dans quelle heure, d'ailleurs. Laissez-moi rentrer dans ce vaisseau, bande de cons. C'est mon vaisseau! Que va? J'ai plus le droit d'entrer dedans. Mais... Le cycle continue. Je suis toujours piégée. Bah ouais. C'était pourtant vrai. Ouais. Mais mon retour sur Terre n'a rien changé. Je peux pas rentrer dans le vaisseau. Oh. Je dois réussir à me libérer.
soit, c'est une chose. Ah, la végétation a vraiment changé. Donc le jeu n'a pas décidé que c'était fini. En fait, il veut jamais que ça finisse, ce jeu. Je peux plus dasher, je peux plus rien faire. Ce que je trouve très très étrange quand même, c'est que je puisse pas retourner au vaisseau. Profiter un peu de ma life. Et me taper vraiment une bonne douche, quoi. Je déconne pas. Elle sait même pas sauter, elle peut plus rien faire. Il y a un message. Eh oui, je me suis laissé un message. Oula. Je crois que c'est ça que j'ai bouffé qui m'a rendu malade et j'ai fait un sale trip. J'aurais dû ignorer cet endroit toutes ces années plus tôt. Je n'aurais jamais dû abandonner tout le monde pour venir ici. Est-ce que rien n'a changé? Oh, je me suis assise au piano et pour une fois, j'ai ressenti. La musique m'appelle maintenant. Comment puis-je mettre fin à ça? Je ne veux pas devenir cette femme qui débite des folies avec ma voix. Moi, ce que je te propose, c'est un gros dodo. Hein? Puis après, t'en reprendras des trucs, là, comme si t'aimes bien. Mais là, la meuf, elle a pas l'air en état. Donc laisse-la rentrer dans cette capsule, nom de Dieu, dans ce vaisseau. Pourquoi je pourrais plus y rentrer? En plus, le jeu m'a spécifié, m'a dit, rentrez dans l'ordinateur, vous pourrez, dans l'ordinateur de bord, vous pourrez régler des trucs. Donc vous comprenez pourquoi j'insiste un peu. Bon ok, je la sens pas, il veut que je passe par la porte. Ah, fucking monoscript. Si c'est pas ça, je te tue la machine. Non, le jeu. La machine, tu rentres pour toi. Youhou, y'a quelqu'un ? Même ça, ça marche pas. Même ça, pour y casser, je suis obligé de passer dedans. Ah, je vais retriper, je sens. J'ai fait durer. Je veux pas l'ouvrir, cette porte. Voilà une bien bonne question. L'environnement a changé, 63 ans sont passés. Explication. Rien. Des légumes. Je vais devenir jardinière. Bon, en tout cas, la nouvelle faune. Bah oui, j'imagine que nouveau biome. Nouvelle faune, hein. Oh, pas déconner. Idéalement, faut que je flingue toute la nature, ça va être moche. Et j'ai toujours ça, c'est bien. Une question qui vient en arrière-plan assez rapidement. Comment vais-je retourner au troisième biome si je dois reset? Parce que, on va pas se la leurrer, mais... J'en connais un qui va reset à un moment ou un autre. Je crois pas que je vais terminer le jeu sur cette session précise. Après, si vous êtes très sage, je vous raconterai en détail comment j'ai vaincu ce boss. Qui était bien chiant. Qui m'a foutu ma gerbe, quoi. Parce que le vertige, c'est voilà, on déconne pas. Et qu'en fait, j'ai eu... Oh, bah, c'est vrai. Que j'ai eu par un bug plus ou moins volontaire du jeu. Qui fait qu'on s'en approchant beaucoup... voire trop, le boss arrivait quasiment plus à me viser. C'était la bonne nouvelle, c'est bizarre tous ces trucs.
Et moi, gros malin, j'en ai profité parce que je me suis dit, ça fait quand même 1, 2, 3. J'ai dû le faire 6 ou 7 fois ce boss. Ça m'a gavé. Et 6 ou 7 fois, ça compte pas les runs pour arriver jusqu'au 3ème biome qui m'ont allègrement gonflé. Donc là, j'ai la grosse question, comment je meurs, comment ça redémarre, et comment je reviens là, surtout. Il n'y a pas un Strom, il n'y a rien. Ça vous donne plus encore l'ouchitude. Encore une question, j'ai pas eu de bonus en flinguant le boss. Donc je suis encore plus inquiet, parce que je me dis, j'ai fait tout ça pour des prunes. Alors le passage découverte est vraiment rigolo parce qu'on y va vraiment... on redécouvre l'environnement et c'est terrible à la fois. Il y a un truc qui doit se shooter, je ne l'ai pas identifié, je sais pas ce que c'est. Une liane. Un monsieur qui tend le bras. Alors, on n'aime pas trop les messieurs qui tendent le bras par chez nous. Enfin certains si, mais... Ce serait bien qu'ils disparaissent vite. Ok, je prends mon temps, hein, je prends mon temps vraiment. Du coup, ça c'est la porte principale, mais je peux pas l'ouvrir. Et, ah, il y a moi encore. Ouais, non, je confirme, je suis morte ici. J'avais un peu de morve sur le casque. Je veux même pas savoir ce qui m'est arrivé. C'est horrible de se voir raconter ses propres morts. Thélios, ai-je toujours été là? Je fais partie de... Non, non, non. Oh. 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 Vomis pas dans ton casque, chérie. Ce n'est pas moi. Well, well, well. Il faudrait, comme dans Dead Space, la finition au coup de pied. Il y a un inter là, je ne le vois pas. Qu'est-ce que c'est que ces sports? Putain. S'il y a toute la végétation qui se met à disperser du fog pendant les bastons, ça va être terrible. Alors, une porte verrouillée là, plus une porte verrouillée là-bas. Plus une pharmaco, non, c'était un truc infecté que j'ai pas pris. How to comment ouvrir the doors? On a une belle question. En trouvant quelque chose qui ressemble à un switch. Ouais, une switch on dit dans ce cas-là, non? Non, un switch, ok. Un switch qui aurait la forme de... Non, ça, ça compte pas, les garçons, vous arrêtez. Monsieur, quel est vos problèmes? Tout un art. Mais vraiment tout un art, quoi. Bon, celle-là, elle a la tête de qui veut pas, quoi. C'est... Comme Célène. La chanson que je jouais tout le temps. Alors, c'est pas mal, parce qu'on change de biome. Il y a du réapprentissage. C'est... Il va me falloir des grosses zombies. Parce que pour l'instant, c'est pas... It's not the joy. On se croirait dans le Tomb Raider. Ok, mon grappin sert plus à rien. Ouais. J'ai pas de nouvelle capa. Il n'y a pas grand monde. Le mystère est total. Trigger, alors notre trigger. Notre trigger. Bon, je pense qu'on va m'expliquer dans cette salle. Je suis un peu fatigué hein, parce que je sais pas combien de temps j'ai le run précédent dans l'iPad et... On se connaît nous. À part que t'es plus costaud mais... On se connaît, grosso merdo.
un générateur. Non. Ok. On va s'y faire petit à petit. Hein. Passage, c'est obligé. Bah oui. Always, ou salle secrète. Ok, on va y aller, j'y tiens. J'aimerais bien tomber sur un magasin direct. Je trouverais ça fort appréciable. Bien, on a fait shopping. Ouais, je sais, c'est pas très écolo, mais je vais la massacrer toute la nature. Ça va être le bordel pour identifier au début une ce qui se casse, ce qui se casse pas, et même le chemin, juste le chemin quoi. Le téléporte, je l'avais pas vu. J'espère que j'ai bien su du démarrage. Non, c'est celui-là. Ok. Oh. Ma maison sur Atropos. Chaque fois que je pars, je reviens. Ça me semble une évidence. La frontière écran vient d'être franchie. Oh, c'est trop maçonnette en plus, ça craint, j'ai regardé. Garde ça pour plus tard. Oui, bah oui, je sais, on a tous hérité de sonnettes des années 70. Ah, la navette qui en a en bonus, qu'on ne sait pas à quoi elle sert. Miaou. Alors c'est un item qu'on peut obtenir pendant la partie, mais... Tout le temps détruit. Tu es vide. En fait, c'est elle qui m'a fait mon accident, c'est pas possible. Regardons les documents du constat pour l'accident. Ça a pas l'air terrible. Ah bah attends, t'as reconnu. Ces petits points abîmés, c'est tout bizarre. Monsieur Poulpe, il fait des recettes, mais faut pas les manger. C'est trop toxique. C'est Monsieur Poulpe. Bon, y a pas de grande don, c'est bien. Communicateur. Attention.
Attention, attention, ici le capitaine Diver Down. Préparez-vous à l'immersion. Reçu. Dites à l'équipage de finir les préparatifs. Nous avons attendu trop longtemps et la météo change. Il y a une tempête. C'est un ordre. Nous devons quitter cet endroit aussi vite que possible. Je compte sur vous. Bonne chance. Ils ont mis un degré d'imbrication là-dedans, c'est incroyable. Pourquoi la petite, elle a les doigts tout esquintés, hein, le dessus des phalanges, comme si elle avait mis des coups de poing dans... Je sais pas quoi. Qui m'attend à la porte? L'astronaute? Bah oui. There is no light. It's not the good way. Ok, ok, prends pas la grosse voix. Ah, je descends vraiment comme une petite. Lève la tête, lève la tête. C'est comme les ptios, c'est vraiment bien fait. Cette porte nous appelle sauvagement. Écoutez les répondeurs. Coucou mon chéri. Je ne rentre pas ce soir. Mais j'ai laissé ton plat préféré dans les profondeurs du réfrigérateur, d'accord? Tu n'as qu'à le réchauffer pendant 8 minutes et 36 secondes et tout. Ça passera bien. 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 À plus tard. T'es en train de me dire que toute mon aventure, c'était rien d'autre que l'ascension de la grande tour du réfrigérateur? Oh, mais tu te fous pas de ma gueule, toi. Je vais pas aller voir cette piole tout de suite pour la peine. Ah, hein. Oh, mais moi, je préviens. It's closed là-bas, ça va être closed. Mais on y va quand même. Parce qu'on est une sale gosse. Ouf, il fait tout noir, j'y vais pas. Il fait 8h36. Et on est 63 ans plus tard. Je comprends plus rien, moi, les gars, aidez-moi. Je vais peut-être me réveiller dans un endroit très clos. Avec une chemise et les manches serrées dans le dos. Sur lequel ce serait écrit asile. C'était pas lui qui sonnait à la porte. Ah bah, on a un peu capté quand même. Hello. Ça a l'air passionnant. C'est qui là-dedans? On dirait que c'est un petit peu fait exprès qu'on voit pas qui c'est. Alors, on va se mettre la radio. On va pas se mettre la radio, qui est toujours à 8h36, elle aussi comme le four. Comme tous les appareils ici, il s'est passé quelque chose à 8h36, il y a 63 ans, exactement. Ok, on va discuter autour du petit déj. Des orbites, des obélites. Ouais, non, mais c'est... Je vais te raconter une histoire. Une histoire d'aventure du capitaine. Oh, c'est mal mappé. Notre tout mignon petit papillon bulle, et il... Je
vais essayer de calmer le jeu en choisissant que des trucs gentils parce que je la sens pas là. J'ai l'impression de me programmer le futur. Non, on vole pas, c'est pas bien. On joue pas à cache-cache dans les profondeurs, on peut se noyer. C'est cool. Frigo. Ouf. Manger. Hier. Tout mignon. Petit papillon. S'agrippèrent aux lumières. Hier, tout mignon, petit papillon s'agrippèrent aux lumières. Au moins, il n'y a pas de tentacules, quoi. C'est ça qui me va, moi. Non, une gamine avec des tentacules. Arrêtez les gens, c'est pas possible. Je sais pas, hein, je demande. Je veux bien, mais on peut pas. Do we go là-bas ou do we go tous à l'étage? Non, le tout noir, on n'aime pas trop quand on est en fond, c'est clair. On va aller à l'étage. On aura sûrement une explication. Alors ça, c'est un plan qu'on a vu plusieurs fois, je crois. Tout flou. Allez-y, cadrez dans votre tête. Vous voyez ? Et là, c'est éclairé comme par hasard. Monsieur Pulpito. Octo. Sacrément fort ces champignons. Sont créés un lien positif entre les terres et la protection. Sion. Ouais, Sion. On a un téléport. Et on va découvrir les nouvelles hostilités dans 3-2-1. Maintenant. Si je vais finir le jeu, mais bien sûr, une traite. Ayez confiance. Je ça perd l'hypopète. Et il n'y aura pas de miettes. C'était pour la rime. Je peux dasher à nouveau les gars. Alors je demande, je suis curieux. Bizarre ce redémarrage là parce que. Moi je pense. J'arrête pas de penser au moment quand je vais mourir ou je vais redémarrer. Un nouveau jouet. 15. Électrobaliseur. Quelle est ta cadence? Chante donc une chanson. C'est une carabine automatica. Avec un lance-obus. Ok. Bien. Alors, il va falloir apprendre le rythme du jeu, là. Alors, c'est rigolo, parce que ça fait des trucs électriques qui restent plantés. Ça doit pouvoir faire pas mal de dégâts, du coup.
si on a des attaques en nombre, qu'on bouge et qu'on s'éloigne, qu'on a tiré. Qu'est-ce que tu fous là, toi ? T'es qui ? T'es mort. T'es des éléments biologiques en décomposition, mon bon ami. C'est marrant, connard. Ils se sont lâchés. Alors, il y a un truc qui... dont j'ai pas parlé. Oula, comment je vais faire, moi ? C'était comme ça qu'il fallait faire. Ok, c'est bien. Et non, quand tu poustillonnes, quand tu poustillonnes, tu poustillonnes, hein, tu fais pas chambre là. Réapprendre. Mais je peux pas y atteindre. Il y aura une feinte. Bien, bien, bien. Je voulais pas, je suis désolé. Non, mais vraiment, c'est fragile. C'est fragile, votre truc. Je comprends pas comment elle marche, cet arbre. Elle est trop arbre. ça plombe des piquets, ça électrifie de tout. On va redescendre parce que la salle. La salle des filles, je la sens pas terrible, on va dire. On pourrait aller là. Il y a même des trucs bonus prévus ici. Je sens que la modularité des pièces a pas fini de m'encombrer l'esprit. Comment je pourrais sauter là-dessus, comme ça? Attends. Hop. Non, comme ça. Refais, crevette. Voilà, tu fais comme ça, mais comme ça. Je me comprends. Ah, trop loin. Putain. Ouais, je vais reprendre ça, je m'entendrai sûrement mieux. Et on va tracer au téléporteur, allez. Et puis on ira voir la salle qui nous attend après. Ah bah c'est malin. Ah non, il y a un autre coffre. Je n'ai pas de clé. Donc ton pix. Notre issue, nous, en face, ok. Il y a une salle bonus, du coup, j'ai pas été. Ah, il y a une salle bonus où j'ai pas été, c'est vrai. Ça va être long. Ouais, je suis désolé, pas désolé pour les détours, mais c'est... Quand on fait la découverte d'un lieu, forcément, on est en mode je veux tout savoir. Ça passe comme ça, rien. Hein. Gneu, gneu, gneu. Ça ne passe pas. Bon, on comprendra plus tard, il doit y avoir une feinte. Ouf. Ouf. C'est sympa chez vous, dites-moi. S'il y a de la baston là-dedans, ça va être encore plus drôle, je crois. Bon, j'espère qu'il ne faut pas tout destroy la végétation, parce qu'il y en a une quantité au-delà du réseau. Il va y avoir une blague, là. Ah, ouais, oh. Je commence à voir de la logique là où je sais qu'il n'y en a pas. Ah, je c'est bien. Mais Maurice, tu serais pas en train de te foutre de ma gueule? Tu me fous une chambre de boss direct? Moi, dans l'absolu, je suis pas contre. Hein. On va regarder la map. Donc, disais-je, dans l'absolu, je suis pas contre. Mais ça pourra que mal se passer, de toute façon. Sur ça, on est d'accord. Ok. Non, mais ok.
Hop là. Une salle de fabricature avec du téléport. Une exostatue. Une autre exostatue, parce que là vous m'avez gonflé les gars. Alors pourquoi j'ai repris mon arme qui pourrait être prétendue toute pourrie? Enfin, tout simplement parce que je la connais. Et deux choses qu'on connaît, enfin dans un environnement qu'on connaît pas, avoir au moins ça qu'on connaît, ça rassure. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Souvenir sectionné. Le langage des sectionnés aurait-il évolué? Alors c'est rigolo parce que cet astronaute, nous aussi on l'a vu pendant les runs. Nous aussi on l'a croisé. C'est quoi ça? Ouais non. Et... Et j'avoue que j'ai pas du tout compris vers quoi il voulait qu'on aille. Là il faut une clé. Résonante. Et vu qu'une s'est passée, deux. Ça tu te rappelleras quand tu referas pour la 10 000e fois ce run depuis le début. J'ai toujours pas ma réponse hein. C'est là où je suis vraiment inquiet. Oh putain, non 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 non. Non. On va essayer l'autre. Elle est peut-être plus sympa. Ah mais il y a tout un fabricateur là. 325. Faut pas que je paume l'adresse hein. C'est bien ça. C'est bien aussi. On va prendre ça pour la route. Objectif du jour. Bon, survivre au-delà d'un quart d'heure, c'est pas mal. Après, si je tiens 20 minutes, voilà, c'est mieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, trigger pas tout. Bouge, 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 bouge. En fait, faut pas leur laisser le temps de canarder, vous pépère, hein. Qui il a l'air couvert celui-là? Il est vraiment colère. Je crois pas qu'on va pouvoir négocier le contrat cette année. On bouge. Ah putain, il se chie en plus. Là, il y a un bug, je crois. Il y a un bug et j'en profite à mort. Oui. Quel salaud je fais. À ma place, vous auriez fait quoi, les gars? Une belote avec le gars? Il avait l'air... Il avait pas trop l'air d'avoir envie, le mec. Cette panique que ça va être, c'est purée de découverte. Ça, ça va être le passage jouissif. Maintenant, je redoute quand je l'aurais fait 15 fois que ce truc m'ennuiera profondément. Beaucoup d'éther, dites-moi. Il y a beaucoup de... Oh, de toute façon, on va mourir, les amis. C'est pas un spoiler. Subir des dégâts fait perdre des obélites. Ah, que non! Je suis pas venu pour ça, mec. J'en ai une à droite. Bah, tant qu'à être pourri, autant être pourri jusqu'au bout. Hein. Impossible de ramasser de nouvelles armes.
Mais vie de... Qu'est-ce qu'il y aurait comme vie à emprunter? Une vie d'aventurier? Non. Bien, je suis à bloc en santé. Ça, c'est la good news. On va s'essayer ce truc. Ça peut pas être méchant. D'après moi. Cette structure en colonne vertébrale ou en arête de poisson, je sais pas. C'est trop louche. Toujours ces barrières jaunes que je ne peux pas ouvrir. Ce qui est bien ennuyeux. Et une salle secrète, mais ça va être des nouvelles épreuves. Donc méfiance, on y va. Ayuda! Pas de piège avec? Oh, vous êtes sympa les gars. C'est gratuit? Non, c'est pas gratuit mec, déconne pas. Ramasser une résine vous confère un bouclier contre le prochain coup. Augmente l'efficacité de réparation de 25%. C'est pile le nombre que j'ai. Immunise contre les effets du ralentissement. Il va y avoir un truc de... Bon, vous connaissez le mot, quoi. Il va y avoir un truc pas sympa. Moi, je vais prendre le bouclier. C'est safety first, on va dire. Je peux pas avoir une vraie sauvegarde, les mecs. Non, mais sans deck. Parce que là, vous mettez la pression inutilement et je vais crier très fort quand ça va. Quand cette session va se terminer. Selene, elle s'appelle Selene. Elle erre toute seule sur cette planète. Est-ce qu'elle est réellement sur une planète ou elle est égarée dans sa tête? On se demande. C'est trop... Voilà, c'est trop calme. Miaou. Miaou. Quoi ça? Va passer les mecs, faites pas semblant. Ça canarde des gens d'âge, je sais pas ce qu'ils visent. Mais ils y croient très fort. Ouh. Connard. Ouh, c'est pas commode ça. Ouh, c'est pas pratique ces barrières en 3... En 3-3... 3-3, mon 3... 3-3, mon... C'est quoi ça? Non, 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 non. J'ai pas... Je paye pas des impôts pour ça, madame. On va faire ça de calmo, ça. Ouh. Bon, va falloir s'habituer à passer à travers des champs laser. Bon, je vais m'occuper de ça, ça me saoule, là. Et teste la bonne chose. Oui, je crois que c'est ça qui tirait aussi des barrières laser, mais les petits machins, si je les laisse tirer, ils se retiennent pas, hein, les gars. Ils font, bah ouais, t'en veux. J'en ai. Qu'est-ce que tu fous, là, toi? Non, je vais pas te mettre un coup d'épée quand même, je suis pas comme ça. Minou! Péter la barrière jaune, apparemment, ça va être un de mes objectifs pour trouver toutes les clés. Je rappelle qu'il m'en faut deux. C'est pas gagné, comme disait le poète. Nanana. Oh la purée qu'il en a. Et ça ralentit. Pas que j'oublie qu'il y a deux trucs en coin qui vont me faire des fameuses barrières comme j'aime pas. Non, c'est bon. Oh, les tournages ont bourri, que j'y crois pas. Misère. Alors là, ils veulent planquer des trucs dans le tableau, ils peuvent y aller, je vais rien voir. Ça va être inéluctable. Il est où mon bonus qui est planqué là?
chose de l'autre côté. Elle est là. Ça scintille beaucoup trop pour être honnête. Ah si j'avais. On jette un œil à la salle bonus. Ouais, ça peut être bien. Ah, ils ont peut-être changé l'inter de place. Ils ont changé l'inter de place, Damned. Quand on change l'inter, on prévient. Bon, je sais pas où il est. Bon, il y a un bonus là, je le vois pas du tout. Il est en dessous. Puis pas y être. Fou, la salle bonus, ça sent. J'avais dit que sans santé, personne m'écoute. Tu prends ça dans le coffre, tu te barres si ça déclenche plein de trucs, c'est une bonne option aussi. On va analyser, mais très vite. Oh, so nice. Oh, j'ai failli pas voir ça. Par contre, ça a sûrement un prix. Meilleur matériau et dysfonctionnement, pas mon trip. Boîte à musique. Comme on est bien là, on pourrait remonter jusqu'à la surface. Go. Mon dieu, les dédales de ce niveau n'ont pas fini de m'égarer pour l'éternité, quoi, je crois. Ou un truc dans le genre. Alors on essaie de se guider au bruit, mais pareil, les bruits sont bizarres. Il n'y a pas moyen de savoir ce à quoi ça correspond. Ça qui est infecté. On va prendre la porte qui enchaîne, tout simplement. En fait, faut passer par là, mais ouais. Crac. Mais j'ai pas cette capacité encore. Le gaz, je me rappelle que ça tue instantanément, quasiment. On va éviter. La découverte de la topographie va être longue. Et pleine d'enseignements. Elle peut être douloureuse aussi. Alors
apparemment, il n'y a pas beaucoup d'objets qui sont planqués dans les plantes. Mais quand on est fauché, ça doit valoir le coup de racler les fonds de tiroir. Je la sens pas, cette aventure. Et encore moins le reboot. C'est quoi ça? Mais on ne me dit pas! J'ai pas le temps de voir le truc qui m'a trop foutu les fois. Bon, c'est fini de jouer. Vous filez une vraie arme à papa. C'est un objet du jeu. En fait, on pouvait sauter en dessous, mais j'ai bien entendu tout esquivé. On peut hein, sauter en dessous. Je sais pas, je verrai ça plus tard. Non, maintenant. Ok. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est la même. Même des années plus tard, j'en rêvais encore. C'est la même salle. C'est la même salle qu'au premier biome. Plus le grappin pour traverser. Et il n'y a plus de bonus ici non plus. Étrange. Très étrange. Éviter hein, les folies et moi c'est pas compatible. Un lit avalé par des tentacules. Bordel de Zeus. Je suis pas prêt de sortir de ce dédale. Quelle direction devais-je prendre déjà? Je ne m'en rappelle déjà plus. Il y a une petite pharmac en dessous. Ah, mais c'est pas une pharmac. Ok, il y en a une autre par là. Et je vais me perdre comme une nouille. Ok, il y a un truc par là, mais je vois pas où c'est. C'est impressionnant cette brume. Hein. Il y a de la particule, il y a des brumes, les polygones qui sont clairement bien définis. Ça fait une densité de choses qui confirment qu'on est bien dans un jeu 2023, enfin des années 2020. C'est assez impressionnant quand même. Et tout ça à 60 Hz. Bon, vous me direz, il faut le PC qui va avec aussi. Ça, je suis bien d'accord. Qu'est-ce que quoi ?
On va faire la pince. Hein. On n'est pas là pour les restos du cœur. Je m'en fous que ça valait des sous. J'ai mon téléport, ça c'est la bonne nouvelle. Je peux retourner proche de la pièce atelier. Oui, je crois avoir noté ça. Et voilà une clé. Oui, une clé. Et ça c'est moi. Non mais regardez ça. Ah, je vais faire la photo les mecs. C'est obligeud. Obligeud. Non, descends, chérie. Hop, et tu t'éloignes après. Voilà. Ah, c'est dommage que j'ai pas de fond sympa. Qu'est-ce qu'on a comme fond bien? Pas grand-chose. Ah, attendez, voilà. On va rajouter au drame. Hein. Rouli. True space. C'est très dur de voir sur la preview l'effet que ça fait. Normalement, c'est censé me faire le fond plus flou. J'ai des doutes. Je sais, j'ai fait un tour complet, mais c'était pour essayer. Je veux choper un certain reflet. On va dire qu'on est pas mal. Ça va aller. Un filtre, on s'en fout. Luminosité, on va monter.
Alors, il faut pas laisser un mec qui fait de la photo ce genre de truc parce qu'il peut y passer une plombe. J'avais prévenu. Hop, 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 hop. Ils ont même pensé à moi, c'est trop mignon. Ça va faire charger, mais faut ce qu'il faut. On devrait être bon là. Ouais, on va la tenter comme ça. Bien. Que voilà un homme heureux. Reprendre. Well. Bon, nous voilà dans ce truc-là. On a trouvé une clé. Va falloir trouver la seconde. Ou, je ne sais pas. Contre qui, je ne sais pas. Ça va bien se passer. Je ne sais pas. Je sais même pas si je vais survivre. Allez, on y go. Pousse-toi la citrouille. Donc j'étais là. Maintenant, idéalement, lui, il veut que j'aille. Ouais, je veux que tu ailles. J'ai plus de porte bleue. Je n'ai plus de porte bleue. Alors si là-bas vers le portail. C'est pas très raisonnable. Est-ce qu'on a un téléporteur là-bas? Je vois pas de téléporteur. Si là. On va tenter. Hein. Comme ça je repasserai dans la. Merde. Je repasserai dans la pièce du. La pièce du bricolage magique. Puis on va voir ce qu'on nous propose. Ah mais non, mais là-bas c'était... Bon, c'est pas grave. C'est... On va refaire le trajet un peu, mais... C'est pour mon bien. Oui, tu ne nous enlèves pas, c'est bien à gauche que tu veux aller. Toujours pas de clé. Il y avait ça. Ok, t'es revenu là pour rien parce que t'as confondu. Bien, on va essayer de pas confondre deux fois. Donc cette fois c'est là. En fait c'était à côté de la porte rouge, je suis nul. Bon, on connaîtra le niveau maintenant. Attends, je continue dans le mauvais sens ou bien? Non, ça va. Oui, c'est d'où t'arrives exactement. Damned. Va falloir un moment où je peux la rendre dans la tête, cette map. Et le passage est donc en hauteur. Je sais plus. Voir devant, mais à droite. Bien. Ouh. Thank you.
Ah, je gagnais pas bien celle-là non plus d'ailleurs. Là. On se téléporte direct, pourquoi pas. Zwip, 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 direct dans la salle. Et voilà, c'est royal. Alors, est-ce que j'ai le droit de poser une clé directe? Non, il te faut les deux. Ok. Là-dessus. Ah oui, ça c'est le four commun. Ouais, c'est cette salle qui m'intéressait. On va voir ce qu'on peut faire. Attaque de mêlée plus puissante. J'en ai pas eu vraiment besoin, j'ai l'impression. Et brise les barrières jaunes. Et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup par contre maintenant. Je crois que ça va nous être obligatoire pour... Ouais, ça va nous être obligatoire pour pouvoir pénétrer dans certaines zones, je pense. Et comme par hasard qu'il y aurait une clé qui nous intéresse dedans. Bah comme par hasard, ça m'étonnerait pas. Comme par hasard. On y va, je peux péter les barrières jaunes. Ça c'est la bonne nouvelle du moment. La mauvaise, c'est que j'ai absolument aucune idée d'où je dois enchaîner. Because it's not indiqué, quoi, tout simplement. And when it's not indiqué, you are very very confused, my friend. Ah bah oui. Ça veut-il dire qu'il faut que je me fasse la salle de défi? Je préférerais pas, en fait, quitte à choisir, les gars, si on est parfaitement honnête et clair. Je vais aller sur ma gauche, essayer la petite salle supplémentaire que j'ai le doute d'avoir fait, du coup. Non, je me suis encore gouré de sens. Non, mais il faudra aller à droite. Ok, on va aller à droite. Non, merci. Ah, j'avais pas de thune pour ça. Eh ben, j'en aurais toujours pas, tiens. Est-ce qu'on se marre? Bien, bien, bien. Alors, heureusement que cette arme est hyper rassurante avec sa cadence de tir. Même si je vous rappelle que c'est des balles de ping-pong niveau DPS. Hein. Oh, on va voir si ça marche. Que ouais. Ouh, visibility, c'est une bonne nouvelle. Attends, faudrait que je trouve un appareil à ressusciter. Qui me ferait un petit prix, quoi, sur les respawns, ce serait cool. Il y avait une autre pharmaco que j'avais oublié là-haut. Je sais plus où. Les dessous, maintenant. Putain, je comprends rien à ce niveau, quoi. Ça se trouve, c'est même pas une pharmaco, c'est juste un truc oxydé. Bon, on va laisser tomber, je le trouverai pas. Anyway. Moi, il faudrait que j'aille. Quelle merde! Non, non, il n'y a pas un pet d'indication. Ouais, il y a celle en dessous que j'ai pas faite, peut-être. Là-dessous.
Eh oui, il y avait celle-là que j'avais pas faite. Des blagues là, des blagueurs. Je sais pas. Oulala, oulala. Ouais, je t'avais pas vu toi. Faut que je monte et que je te latte. Ok, on va faire ça. Je monte. Et je te latte. Alright. J'avais oublié que les développeurs pouvaient autant jouer sur la verticalité. Je vais le regretter. Sérieusement, je crois. Oui, alors, vous entendez le volume de ma voix qui varie parce que je bouge ma tête pour pencher, pour voir sur le bord de l'écran si on voit mieux. Et arrêtez de vous foutre de moi, vous feriez pareil de toute manière. Là, ça monte pas. Là, il y a un truc qui récup. Et en bas, c'est où on doit continuer. On va continuer sagement. Hein. La sagesse nous va si bien. Encore de l'éther, incroyable. Je suis toujours pas mort. J'avance à deux à l'heure, mais je suis toujours pas mort. Aménagement. Similaire au premier biome. Clé maintenant, ça c'est la bonne nouvelle. Droite, on jette un œil. Oh, 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 c'est encore moi ça? Non, ça c'est quelqu'un d'autre. Oh, oh, voilà pourquoi ils m'ont tant donné des terres. Par contre, le deal c'est si je crève, je continue pas parce que ça va probablement m'énerver et on utilisera le respawn plus tard. Ça, j'aurais tout loisir de faire une belle explication de ce qui s'est passé et ce qui arrive maintenant. Bien que le ton dans ce jeu soit devenu un concept risible, on va dire muet. Alors, normalement, ça va être une salle de pas commode. Hein, si on est logique. On va y aller pareil, mollo. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça pue. Mou aussi. J'aurais mieux fait de me mettre un petit coup de respawn après, avant, après, ouais, après. Ça va charcler dans cette salle, je sens. Vous m'aimiez vivant? Bah profitez, ça risque de pas durer. Hello, 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 hello. Oh putain, c'est verrouillé. C'est quoi ça? Je sais pas ce que ça fait, mais ça a pas l'air terrible. Ça a pas envie de communiquer, c'est clair. Ça se voit. Je pense que je peux remercier Saint-Bug, hein. Parce qu'apparemment il s'est banané tout seul. Il y en a encore un. Là, je demande, moi je suis inquiet. Ça s'est trop bien passé, c'est louche de chez louche. 19, oula, on commence à monter les gars. Alors, carabine, avec une grosse limite de surchauffe, ça peut pas se refuser ça. Munitions sans su. Allez, c'est mon côté nécro ça.
Oh, je me rappelle que j'ai 3 emplacements bien en profiter. Ouh, ça se passe beaucoup trop bien. Action. Ça reste dans celle-là que ça va être la guerre. Non. J'ai un rayon de ramassage de bolides qui a bien grandi aussi, c'est pas mal. Ok. L'autre clé. Eh mec, vous allez pas me laisser partir comme ça quand même. C'était un peu téléphoné. Si. On va aller se taper un boss direct. Moi, ouais, je suis pas contre, mais j'avais prévu autre chose à midi. Je voulais manger avec quelqu'un. Damned. Oh là là. Oh là là. Bah, ok. Ah, non, moi, je dis jamais non. J'aurais dû garder mon respawn pour après ça. Coucou. Allez, je vais boire un coup là parce que... Ah mec, on slip qui lève les bras, c'est un drôle d'accueil déjà. Je vois ce qu'il y a en bas. Avant de savoir ce qu'il y a en haut. Ouais. Il y a les non-œil. Ok, c'est repéré. Il y a une tourelle. Tourelle, non-œil. Tourelle. Je sais pas ce qu'elles ont mangé, les tourelles, mais elles sont en forme en tout cas. Ah, la cadence n'est plus à mon avantage. Ça aussi, c'est une autre réalité à laquelle il va falloir que je me plie. C'est pas grave, les gars, je vous en veux pas. Ça va, il y a juste toile qui reste alimentée là-haut. Qui sert à rien. J'ai pas eu le temps de dire du coup ça. Ah non, on s'en fout. Osef. Pas des os. Il y a une autre toile qui est planquée là-bas, je l'avais pas vu, c'est fourbe ça. Très tendu le timing. Putain. Ça c'est moi encore. En fait il y a moi de partout. Dans des états terribles. Hein. Oh là là là, ce jeu va rendre dingue son joueur. Peut-être pas la peine de se taper un bonus ou un malus. Modéré. Bon, ça se tente. Ouh que c'est gentil ça. Alors, 1, 2, 3, que je me rappelle mes touches. Et on va avoir, avec notre petit monstre à 19, une grande fiole de silicium, une petite, et transforme en obélite. Ça, c'est pour les pinces. Il n'a pas été trop tendre en bonus, je trouve. Le niveau n'est pas énorme pour l'instant, et je ne sais pas du tout ce qui va nous arriver. On est supposé être dans une salle de boss. Je suis inquiet quand même. Elle m'attire. Oh, putain. Comme l'avait fait la tour de l'ombre blanche il y a si longtemps. Pourquoi ma mutation a-t-elle été retardée? J'ai des méthodes pour régler ça. Les délires? Non, ils sont là pour m'aider à garder mon équilibre. J'ai fait d'énormes progrès. Qu'est-ce qu'ils espèrent trouver tous?
s'ils tentent de m'éclairer, ils verront à chaque fois les ténèbres auxquelles ils s'attendent. Je me souviens. J'aimerais être resté. Je vois à travers un rétroviseur l'ombre en tombant dans un lac de folie qui a laissé une cicatrice dans les profondeurs aquatiques. Il aurait mieux valu que certains monstres ne voient jamais le jour. Mère a menti à propos de ma joie, il n'y a que douleur. Ouais, ok, c'est pour rassurer ça, je présume, hein. Ou alors c'était une invite, va savoir. Il y a un passage à gauche si je me leurre pas. On va essayer le petit tour dans la tour. C'est une très mauvaise idée. Putain, en plus elle monte. Bah voilà, elle monte quoi. C'est une tour. Très élevée. Bah, ça ressemble à moi. Mais pourquoi vous m'aménagez ça comme ça? Vous voulez vraiment que je chouine? C'est pas gentil du tout ça. En plus, je sais pas si j'ai les distances de saut nécessaires, je crois pas. L'arbre au milieu, c'est impressionnant. Vous savez, Wack, plutôt que de tomber connement pour essayer de récupérer ça, là. Quoique, attendez. J'espère qu'il n'y a rien qui va trigger et pour me faire courir sur les bords. Parce que je vais être super triste. Il y a juste cette musique complètement pétée là. La chanson, pourquoi la joues-tu? Ça pique ça. Thank you.
Non, 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 non. Oh sa mère. Enfin. Le silence. Je n'en pouvais plus. Vraiment plus. Alimente le portail fracturé. Et les mecs, j'ai une question. Les mecs, remettez la musique. Oh putain. Oh, il était terrible ce boss. Il était terrible ce boss. Je sais plus quoi dire. Il était terrible ce boss. Vous m'avez perdu quoi. Amenez-moi l'asile. C'est fini. Le passage était monstrueux. J'ai qu'un regret, c'est de pas avoir coupé le micro et fait gueuler les enceintes quoi. C'était épique et c'était porté de manière magistrale, comme je l'ai déjà signalé, par cette bande son qui est juste fabuleuse. Je saute et je meurs. On pourrait pas faire plus simple, mec. Du coup, qu'est-ce que j'ai récupéré, moi? On va regarder les entrées de journal, ça nous fera une pause. Enfin, ça me fera surtout une pause à moi. Oh, ce moment. Le temps de reposer mes petits doigts tout nerveux, là. Ouais, ça, c'est des kamikazes, on a compris. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse, ça. Alors, il va y avoir des nouvelles armes encore. Ça va être terrible. Ça mélange vraiment beaucoup, beaucoup de choses. C'est terrible. Je crois que c'est terrible. Ce sera le mot du jour. C'est terrible. Bon, apparemment, on ne pourra pas avoir de clarification. Chérie, tu évites de mourir là. Parce que moi, j'ai une grande question. C'est si je crève, je redémarre tout du début pour venir jusqu'ici. Je vais devenir fou. Hein. Il me faut une soluce. On sort où, les mecs? Bah ouais, mais c'est bien beau, vous me faites un trou dans votre truc là, il n'y a pas de sortie évidente. Moi je vais pas sauter dans le trou parce que ça serait la manière la plus conne de crever. Et je vaut mieux que ça. Alors ça m'a dit qu'il y a un appareil en dessous. Alors comment ça marche cette connerie? Bon, on va admettre, c'est une théorie. Qu'en sautant tout va aller bien, ça a aucune crédibilité. C'est... pas un petit passage sur les côtés, rien. Ok, non mais vous l'aurez voulu. Putain, quelle merde. Je vais quand même pas me tuer pour la redescente. Hein. C'est un truc que je refuse de faire, ça. On va essayer de tomber sur la branche. Non, ça n'a aucun crédit, ça. Oh putain. Bon, apparemment, fallait pas tomber comme ça, mais... comprenez-moi, je me crois malin, parfois. Pff, merde. Cette piche. Faut que je me répare après toutes ces émotions, là. Nervous breakdown.
Là, on n'a rien trouvé. Ok, un petit téléporteur pour Bibi. Il est de l'autre côté de cette porte. Ok, vas-y. Go. Ce bruit m'a fait peur aussi. Ah ouais, non, mais là, je suis en mode... 12 millions de BPM. Du coup, on va retourner dans la salle de bricolage. Dans le gaufrier, c'est foutu, désolé. Le bricolage, c'était ici, je crois. Ouais. Et on reviendra là, après cette... un petit peu rééquipé quand même, histoire d'avoir de la crédibilité pour la prochaine rencontre, parce qu'on vient de se taper deux boss là dans le même stream. Moi je suis pas habitué, d'habitude je meurs entre. Je veux pas spoiler, mais voilà, c'est ça le truc. How much? 25, mais tu te fous de moi toi. Et là 400, 300, et why not? De toute façon, c'est une monnaie du jeu qui est perdue à chaque mort, ça, donc autant la claquer. Surtout quand on pénètre dans une zone qu'on connaît absolument pas. Il est où mon téléporte? Il voit rien avec votre bordel. Ok, et on remonte là-haut et on va aller voir où on nous appelle. Merde, c'est où? Là-bas. Waouh waouh waouh. Tout bizarre ce niveau, parce que rencontre avec le boss très rapide. Pourquoi il y a ça? Pourquoi pas? Un nouveau portail, un nouveau biome. J'hallucine. Tu m'emmènes où, mec? Au Groenland, ok. Putain. C'est gentil parce que j'ai vraiment passé tous mes consommables. Ah oui, vous avez dû entendre à un moment les touches. Parce que les patterns de boulettes n'étaient pas ultra compliqués. Mais on se fait toucher quand même. Hein. Faire un sans faute au milieu de tout ça, faut connaître. Le désert fracturé de glace, tu veux dire? Oh là là. Ce n'est pas... Mais si, en fait. Les mêmes coordonnées que le désert. Et ouais. Je reconnais les montagnes, mais... Où sont les structures en ruine et... Oh, Helios, quand sommes-nous? Quand sommes-nous plutôt coup? C'est exactement ça la phrase. Je commence la descente du glacier. Je ne sais pas quelle tentative c'est. Ça devient rassurant. J'ai beau savoir quelles promesses m'attendent. J'ai du mal à renoncer à la technologie. Il y a certains sacrifices que j'ai hâte de revivre. Mais j'ai parfois l'impression que quelque chose, au fond, me rejette. Encore une salle de fabrication. Alors pas une petite. Est-ce que je peux suspendre le jeu par là? Parce que moi je commence à m'épuiser. Je regarde le stream, je sais pas à quelle heure j'ai commencé, donc je sais pas à combien il en est. Si je peux atteindre les profondeurs, je peux détruire ce qui me détruit. Je suis plus forte que les sectionnés, plus forte que le cycle. Euh,
Je vais me faire un respawn ici, je me mets en pause parce que ça fait un moment que je suis en jeu, ça doit faire plus de 2 heures facile, 2 heures et demie. Et puis on reprend derrière pour découvrir ce nouveau biome. Cool.